choisir, ne pas subir une solution pour un projet de vie qui est arrêté dans le temps et qui peut être fait de plein de joie quotidienne et de stabilité de la maladie. Alors un palier de toit s'adresse à des personnes qui sont atteintes de maladies neuroévolutives rares qui évoluent par palier, donc qui sont en général d'origine génétique, donc il y en a à peu près 158 000 en France, et pour lesquelles les solutions c'est la maison d'accueil spécialisée ou le repli chez soi à domicile, seul ou à charge des aidants. Et donc c'est des solutions qui sont subies et non choisies, et nous on répond à cette alternative en créant un habitat inclusif partagé pour des petits groupes de personnes à vivre en toute autonomie dans un secteur non médicalisé. Alors cet habitat inclusif partagé repose sur plusieurs piliers. La mutualisation de toutes leurs aides attribuées par la MDPH, ça leur permet d'avoir vraiment une présence H24 de personnes sécurisant et répondant à leurs besoins essentiels qui sont évolutifs. On s'appuie aussi sur des stimulations puisque ce sont des maladies qui évoluent par paliers et ces paliers sont essentiellement liés au bien-être. Plus on est bien dans sa tête et plus la maladie est stable, et ça participe également au ralentissement des symptômes. Quand on les voit, le sourire aux lèvres tous les jours, voilà, on continue et puis on est trop content de le montrer et tout le monde est content, quoi.